En espérant que les gens se connectent, c'est vrai qu'on est l'après-midi. Voir c'est un peu ce qui se passe. Je vais réviser mes notes pendant ce temps-là. Hello, salut tout le monde. Oh, salut Pierre. Salut Damien. Salut Star 6 One. Fion Francis, j'adore ton prénom. Bienvenue. Bon, bah écoutez, ça se passe bien vous là cet après-midi? Tout roule? Ok, cool. Alors, je me suis dit que j'allais faire un petit live encore aujourd'hui, pour cette semaine plutôt, hein, pour vous parler un peu bah, d'IoT, donc d'objets connectés. Parce que j'en ai testé un là depuis 2 semaines, un nouveau truc. Et je trouvais ça intéressant de vous en parler parce que les mecs lancent un Kickstarter, donc voilà, c'est un peu l'occasion. Alors, écoutez. Premièrement, le nom de cet objet connecté, vous en avez peut-être entendu parler parce qu'ils étaient au CES il n'y a pas très longtemps, ça s'appelle MyTipeee. Alors MyTipeee, c'est ça. Voilà, c'est un objet connecté. Alors celui-là, c'est le modèle Square, c'est-à-dire que c'est la version, on va dire, bas de gamme, moins chère, qui en fait dispose de plusieurs fonctionnalités plutôt cool. C'est d'abord un capteur de présence. Voilà. Donc ça, c'est la petite boule que vous voyez là. Ça permet de savoir si vous passez devant. Donc il y a une portée qui va à peu près jusqu'à 10 mètres. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et bien évidemment, ça vous alerte. C'est-à-dire si vous passez devant ou si quelqu'un rentre chez vous, ça vous alerte directement par mail ou via une application qui sera développée dans le futur. Comme je dis, c'est encore en bêta, hein, c'est un projet Kickstarter. Si je vous parle de ça, c'est parce qu'en fait, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines plutôt, j'ai rencontré donc les créateurs, donc Paul, Daniel, et puis je crois Fabien, qui sont donc auvergnats, qui habitent pas loin de chez moi, ici, du côté de Clermont-Ferrand, et qui m'ont présenté donc leurs objets connectés. Donc il y en a plusieurs, alors je vais vous parler de ces deux trucs-là, et je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne et ce que ça fait exactement. Alors, il y a deux versions, il y a celle-là donc qui est la version on va dire pas chère, et puis il y a celle-là un peu plus design en bois, donc c'est du made in France, hein, made in Auvergne même, voilà, donc c'est plutôt joli comme objet connecté. Et puis bah ça fait pas mal de trucs, hein. Ça permet bah, déjà comme je disais de détecter la présence des intrusions, d'éventuelles intrusions. Alors c'est pas un système d'alarme, mais ça vous informe par SMS ou par, alors SMS pas encore, bientôt peut-être, mais par mail en tout cas que quelqu'un est passé. Alors ce qui est prévu sur l'application, c'est un système de calendrier aussi pour déclencher les alertes à des moments où vous n'êtes pas là, par exemple, parce que si vous faites que circuler, vous allez recevoir que des emails. L'intérêt aussi de ce petit appareil, c'est qu'il a à l'intérieur un capteur de température et un capteur d'humidité. Donc ça vous permet aussi de remonter en live la température et l'humidité. Autre chose intéressante, mis à part son look, effectivement, il est un peu passe-partout, je vois ça dans les commentaires. Il est très très joli, donc on peut l'intégrer, je sais pas si on voit bien, il n'est pas si gros que ça en fait. Là, je le mets à côté de ma tête, c'est vrai que j'ai la grosse tête, mais bon, voilà. Il est donc en bois, il est plutôt joli. Donc c'est vrai que ça intègre pas mal chez vous, surtout si vous avez des meubles en bois, c'est plutôt joli. L'intérêt aussi, bah écoutez, c'est que ça fonctionne sur pile, hein, les deux, hein, fonctionnent sur pile. Voilà. Et alors, vous allez voir, c'est ça qui est intéressant par rapport aux systèmes commerciaux classiques d'alarme ou de domotique, c'est que comme ça fonctionne sur pile, c'est parfaitement autonome. Alors vous allez me dire, oui, mais si Internet coupe chez moi, j'aurai pas les alertes, machin, etc. Alors la réponse est non, c'est faux, parce que ce petit objet fonctionne grâce au réseau Sigfox. Alors Sigfox, si vous connaissez pas, c'est un réseau radio très longue portée, c'est-à-dire que vous pouvez être au large sur votre bateau, si vous avez un bateau, moi j'en ai pas, j'ai pas pu tester, mais bon, vous pouvez être sur votre planche de surf ou sur votre radeau à la dérive avec ce truc, ça balancera quand même des alertes. Alors ça va pas non plus, je crois que ça va jusqu'à 20 km au large des Fox au large des côtes, pardon, et ça permet bah, voilà, d'avoir quand même une alerte même si vous n'avez pas de réseau chez vous. Donc c'est là où ça devient intéressant, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir du Wi-Fi, vous n'êtes pas obligé d'avoir de la 4G ou du réseau téléphonique. Et vous pouvez directement l'installer. En fait, il n'y a rien de spécial. Hein. Vous l'allumez, vous le branchez, vous le posez chez vous et c'est réglé. Et ça, c'est plutôt cool parce que
En fait, le réseau, j'essaie de vous l'ouvrir. Je vais ouvrir. L'eau, je peux pas l'ouvrir parce qu'il faut des petites vis en fait pour vous montrer. Ici, donc j'ai pas ce qu'il faut. Mais celui-là, il est en plastique. Alors c'est des protos. Hein. Je vais essayer de pas leur casser les protos. Et donc l'avantage du réseau Sigfox, c'est évidemment que si vous avez une maison de campagne qui est un peu isolée dans la pampa, eh ben vous pouvez quand même être alerté d'une intrusion, par exemple, simplement en posant ce truc chez vous. Voilà. Alors voilà, on voit un peu ce qui se passe à l'intérieur. Vous voyez, ça marche avec des piles. Hein. Et ces piles-là, ça dure 8 mois dans l'appareil. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'on peut mettre chez soi, côté design. Et puis ça, c'est la version un peu plus, on va dire, basique en termes de look. Et ça permet de se mettre tout simplement bah, dans une cave à vin, par exemple, ou dans une cabane de jardin, ou voilà, dans des pièces où à la limite, le look, on s'en fout. Alors, évidemment, celle-là, un peu moins chère, celle-là s'appelle le Square. Cette version-là s'appelle le Woody. Donc, c'est une version, comme je disais, en bois, plutôt sympa. Made in France, hein, pas de choses fabriquées en Chine. Au niveau du Kickstarter, je reprends un peu mes notes. Hein. Mais au niveau du Kickstarter, cette version-là est à 149 euros en version Early Birds et celle-là à 40, pardon, à 79 euros. Le truc qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un prix aussi au niveau du Sigfox. Hein, c'est pas un abonnement, c'est pas un réseau gratuit. Donc faut. Ouais, le Woody pour la cave à vin, t'as raison, c'est mieux, c'est plus joli. Il y a un abonnement en fait avec Sigfox qui fait que. Voilà, sur celui-là avec le. Alors attendez, j'ai noté, je vais essayer de reprendre mes notes. Oui, donc sur celui-là, c'est gratuit la première année, voilà, si vous passez par Kickstarter, et après c'est 49 euros par an l'abonnement. Voilà. Donc c'est un petit coût quand même, donc c'est à prévoir dans le truc. Celui-là, le Square, c'est pay-per-use, donc ça quand vous l'achetez, vous avez 2 ans intégrés dedans, d'après ce que j'ai compris. Voilà. Et puis après, il y a une édition spéciale Kickstarter. Tantantantantant. Voilà. Qui est d'un. Voilà, c'est un cas de Kickstarter, donc on aime ou on n'aime pas. Moi perso, je suis pas spécialement fan de la couleur, mais bon, c'est le logo Kickstarter. Elle est un peu plus chère sur Kickstarter, évidemment. Et celle-là, bah, elle est offerte avec 3 ans gratuits. Voilà, donc vous avez 3 ans d'accès Sigfox gratos. Alors celle-là, elle est montée, je vais essayer de vous l'ouvrir. Ah, voilà, vous voyez, c'est du vrai bois, hein. C'est pas. Un. Voilà, et c'est du proto. Donc ça sera. Normalement. Si le Kickstarter aboutit, la date de livraison, ça sera pour septembre 2018. Voilà. Alors, si ce qui est intéressant aussi avec les. Alors, pas avec la version Square, donc pas avec celle-là, mais avec les deux petites. Enfin, voilà, les deux plus premium, les deux versions les plus premium, c'est que derrière, vous pouvez voir, il y a. Donc, il y a les petits capteurs, évidemment, mais il y a surtout un petit port mini USB. Alors, mini USB, à quoi il sert? Ben, vous le connectez sur le courant. Voilà, ça va pas charger le. Ça, voilà, ça va le faire fonctionner, mais voilà, c'est pas pour l'alimenter, hein. C'est surtout pour détecter chez vous s'il y a une panne de courant. Et ça, moi j'ai déjà eu le souci, c'est-à-dire que par exemple, j'ai de la domotique à la maison, j'ai des prises connectées, etc. Et un jour, je suis rentré de vacances, et évidemment, le frigo bah, était en panne, mais parce qu'il y avait une coupure de courant et tout avait sauté. Et évidemment, quand la domotique est plus alimentée, même si la box est sur un onduleur, même si la box internet est sur un onduleur, le petit module que j'utilise, que je vous ai montré dans la vidéo d'avant, dans le live de la semaine dernière, n'est plus alimenté, bah forcément on n'a pas de retour. Voilà. Ou alors on peut faire des petites choses, il y a des modules avec batterie embarquée, mais celui-là effectivement va vous permettre de détecter en fait s'il y a une coupure de courant, ça va vous connecter ça au secteur et si vous n'avez plus de jus, ça vous envoie une alerte. Donc ça c'est à la limite, c'est la fonctionnalité que je trouve la plus intéressante, c'est-à-dire de savoir en fait par exemple que dans votre maison de vacances il y a une coupure de courant ou que votre cave à vin il n'y a plus de jus à l'intérieur, enfin voilà, ce genre de choses. Moi j'ai pas de cave à vin donc je m'en fous un peu mais et bah par exemple bah, à la maison voilà, vous laissez ça et puis si ça détecte la coupure de courant eh bien vous êtes immédiatement alerté. Alors on me pose ouais, il y a Pierre donc qui me demande si Sigfox et IFTTT ça fonctionne. Alors Sigfox oui. Forcément, parce que c'est intégré dedans. IFTTT, je ne pense pas pour l'instant. Je sais que Paul a bientôt prévu des API. Enfin, des API vont être rendus accessibles pour les développeurs. Il y aura une application mobile qui est en développement. Pour l'instant, il y a que la version web, en fait. C'est-à-dire, vous allez sur le site web, vous avez vos MyTP qui sont affichés, et puis vous avez les températures, vous avez les détecteurs de présence, vous recevez les alertes, etc. Donc c'est plutôt pas mal.
Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je voulais vraiment vous montrer ça parce qu'ils ont un Kickstarter. Alors je vous mettrai le lien, je pense, sous la vidéo quand je l'aurai uploadé sur YouTube. Et puis je vous la balancerai dans un autre post. Mais vous cherchez mytipeee.fr, T, alors my MY, TEEPI.fr. Vous devriez tomber sur le Kickstarter. Et voilà, c'est un projet que j'aime bien parce que c'est du made in de chez moi. Voilà, les mecs qui l'ont conçu sont sympas. Et puis je me suis dit que ça pourrait vous intéresser parce que ça change un peu de la domotique traditionnelle. Bon, celui-là, je l'aime moins, je vous avoue. Mais bon, c'est une édition spéciale et les petits aimants là ici qui permettent d'avoir le coffret aimanté. Voilà, celui-là, je suis un peu moins fan. Mais bon, après, il y en a qui aimeront. Mais celui-là, par contre, c'est mon petit chouchou. Et je le trouve plutôt sympa. Voilà, on reconnaît le Tipeee, hein, attention. Bon, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Alors, niveau cybersécurité, ouais, ça c'est une bonne question. Bah écoute, il n'y a pas de. En fait, l'avantage, c'est comme c'est un détecteur de présence, il n'y a pas. On n'a pas ce stress de caméra en fait. Donc, déjà, on n'est pas filmé. Ça permet juste de dire s'il y a quelqu'un ou pas chez toi. Donc, après, tu peux pas savoir si c'est un voleur ou si c'est tes enfants ou ta mère qui vient de rentrer. Mais par contre, avec le couplet avec le calendrier, ça permet justement de savoir un peu bah, quand ça sort des périodes où c'est normal qu'il y ait du monde à la maison. Voilà. Ou alors ça peut vous avertir simplement bah, que vos enfants sont bien rentrés ou que la personne âgée, donc, par exemple si vous avez des parents âgés qui sont chez eux et que ça détecte pas de mouvement, ça peut paraître louche. Alors évidemment, comme c'est du Sigfox, ça balance je crois un message tous les 15 minutes. Donc si vous passez 10 fois en moins de 15 minutes, vous n'aurez pas 10 alertes. Hein. Voilà, mais par contre, vous aurez quand même une alerte la première fois où vous êtes passé devant. Et après, toutes les 15 minutes, ça rebalancera une alerte. Et j'ai oublié la belle-mère, effectivement, vous pouvez avoir aussi un détecteur de belle-mère. Si jamais elle a les clés de chez vous et qu'elle rentre en douce, vous pouvez être alerté, et ça, c'est important. Bah, niveau installation, comme je vous disais, il n'y a vraiment rien à faire, en fait. Moi, quand je l'ai installé, alors, il était, on va dire, paramétré avec mon compte. Hein. J'avais filé mon email à Paul qui s'est occupé de ça. Je suis rentré, je vais vous montrer ce que j'ai fait. D'ailleurs, c'est très technique. Je suis rentré, j'ai fait ça. Tac. Je l'ai allumé, je l'ai posé et c'était fini. Voilà. Ensuite, je me suis connecté sur le compte et j'ai paramétré pour recevoir les alertes par mail. Et voilà. Donc, voilà, je trouvais ça sympa comme projet. Je voulais vous en parler parce que, bah déjà parce que, voilà, c'est du coin et puis c'est plutôt cool. Ça change un peu toutes ces solutions, on va dire, soit trop intrusives, comme les caméras, voilà, tout ce genre de choses, soit incomplètes parce que justement pas assez autonomes. Et là, on atteint vraiment un niveau d'autonomie sympa. C'est-à-dire, voilà, vous mettez ça, un petit bout de scotch double face, vous collez ça dans votre cabane de jardin. Et vous êtes alerté s'il y a une petite intrusion dans la cabane. Voilà, donc je pense, si vous avez d'autres questions, je suis à vous. N'hésitez pas. Et niveau cybersécurité, vous en avez parlé. Bah pour l'instant, voilà, ça remonte juste les infos. Hein, donc il n'y a pas de quoi hacker ce truc. Enfin, c'est pas quelque chose qui va être intrusif, quoi. Au pire, ce qui peut se passer si vraiment il y a une faille de sécurité, c'est que vous allez recevoir des alertes qui sont des fausses alertes. Voilà. Avez-vous des questions, chers amis? Non, alors ça n'a pas de Wi-Fi. Hein, pour rappel, ça marche avec le réseau Sigfox. Donc c'est un réseau radio. Alors je sais pas si on peut voir la puce Sigfox là-dessus. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Il y a des antennes. Il y a le réseau Sigfox qui est dessus. Voilà, je sais pas si on voit. Et évidemment, non, il n'y a pas de Wi-Fi, donc c'est ça qui est intéressant, c'est que si vous n'avez plus d'Internet, si vous n'avez plus d'électricité chez vous, si voilà, et l'avantage du réseau Sigfox, c'est qu'il couvre toute la France, toute l'Europe, et le monde est en cours de déploiement. Donc si vous voyagez un peu, hein, par exemple, moi je vais de temps en temps en Espagne, bah, je peux l'emmener en Espagne, par exemple. Ou alors, si vous avez un camping-car, bah, vous pouvez le poser dans le camping-car, il ne bougera pas du camping-car et vous saurez immédiatement si quelqu'un est rentré dans votre camping-car pendant votre absence. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un objet qui va être fixé à l'endroit où vous allez être. La durée de vie de la batterie est de 8 mois. Sur la version Square, c'est 8 mois. Après, l'autre, je ne sais pas. Je pense que ça va être un peu plus court, peut-être 6 mois, je ne sais pas. Alors après, niveau intégration à des systèmes domotiques existants, c'est pas, y a une API qui est en cours, donc en cours de développement.
Donc c'est pas encore finalisé, donc j'ai pas pu tester toute cette partie. Voilà. Et animaux de compagnie, on m'a dit que c'était bon. J'ai pas vérifié, j'ai pas d'animaux. Mais l'angle en fait est de 90 degrés. Donc je pense que c'est 90 degrés comme ça. Et donc si vous avez, effectivement, si vous avez, je sais pas, une vache chez vous, ça va la détecter. Si vous avez un gros chien, peut-être un bouvier bernois, un truc comme ça, un Saint-Bernard, peut-être que ça va le détecter. Si vous avez un truc plus petit, je pense que ça devra aller. Voilà. Et en termes de portée, vous pouvez le mettre aussi dans des entrepôts, des choses assez grandes, puisqu'il y a 10 mètres en fait de. Enfin, ça voit jusqu'à 10 mètres, ça capte jusqu'à 10 mètres, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc il y a un Kickstarter, salut Geoffrey, il y a un Kickstarter qui est en cours, et voilà, si vous voulez y participer, c'est le moment, parce qu'il ne reste plus beaucoup de jours. Donc faut pas hésiter. Les données peuvent être récupérées par quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que Facebook, ça vous a traumatisé. Alors, les données. Alors, c'est quoi les données déjà? Faut les définir. C'est-à-dire que les données là-dessus, ça va être le taux d'humidité de chez vous, la présence ou non de personnes qui sont passées. Donc, ça dit pas qui est là ou pas. C'est infrarouge, ouais. Donc, ça voit dans le noir. Voilà. On voit pas, c'est un peu rouge. Voilà, c'est infrarouge. C'est voilà le taux d'humidité, ce genre de choses. Il n'y a pas de la température, s'il y a de l'électricité chez vous ou pas. Et voilà, il n'y a pas de données personnelles dedans. Donc même si quelqu'un, on va dire, accède au serveur de MyTipeee, tout ce qu'il saura, c'est s'il y a quelqu'un chez vous dans les 15 dernières minutes, et puis ou pas, et puis s'il y a de l'électricité chez vous, et s'il fait 25 degrés chez vous ou pas. Donc voilà, après, évidemment, le site est sécurisé. Donc voilà, et donc si vous voulez rentrer dans ma cabane, effectivement, faut vous faire tout petit. Tout petit, petit. Bon, je sais pas depuis combien de temps je parle là, mais je pense qu'on va arrêter là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que ça vous a plu déjà le format? C'est plutôt pas mal. Enfin, bon, je me jette des fleurs, mais moi ça me plaît. Donc si ça vous plaît, voilà. Après, j'essaierai de parler d'autres choses. Là, c'était parce que c'était l'occasion. Alors, ouais, gros comme thermomètre, mais par contre, faut pas. Voilà, faut pas. Ça se pose sur les meubles, hein. C'est pas utilisé pour prendre sa température. Bon bah cool, plus de live. Bon bah c'est bien. Alors évidemment ce live je vais le mettre sur YouTube, je vais le mettre sur Facebook. Donc voilà. Alors est-ce qu'il y a des plans pour le fabriquer soi-même? Eh bien non, parce que c'est une méchante société commerciale derrière. Non, les mecs sont sympas, mais effectivement, leur but, c'est d'en vivre. Donc, voilà. Il n'y a pas les plans pour le fabriquer soi-même, mais peut-être un jour, ils le mettront open source, j'en sais rien. Mais bon, en tout cas, c'est totalement vendu. Voilà, c'est un truc à acheter. Hein. C'est pas quelque chose qu'on peut faire soi-même. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est le coffret en bois. Je me dis que finalement, si vous avez des talents de menuisier, hein, Geoffrey, tu pourrais peut-être récupérer ça. Le caler dans un petit moule à ton effigie, hein, au lieu de faire un K, peut-être faire un G. Et puis voilà. Effectivement. C'est vrai qu'on n'y pense pas, ça, mais nos objets connectés à l'intérieur, c'est assez basique. Et on pourrait tout simplement les démonter, se séparer de leur coque externe qui est pas souvent moche, hein, faut le dire. Et puis intégrer ça, pourquoi pas, dans des choses un peu plus naturelles comme du bois ou je sais pas, du bois, c'est pas mal déjà. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, une bonne fin de matinée pour toi, Pierre, qui nous regarde du pays des Caribous. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Allez, salut tout le monde. Ciao.